On va en être cueilli à froid. C'est moins qu'on puisse dire au Glénan. Ça va les gars ou quoi? Ça va, il fait froid mais ça va. C'était bien cette transat? Impeccable, nickel. Première transat pour Gaston Morand. Départ sous 30 degrés, retour sous 0 degrés. Avec de la neige fondue. On se fait comment cette première transat alors? C'était bien, c'était sport, belle transat, belle première, météo pas facile. Et écoute, non, c'était intéressant sur le bateau. Sur le dragon, on a pu pousser un peu sur ses limites dans les vagues et voir ce qu'il avait dans le ventre, et c'était intéressant. Il va plutôt bien ce dragon VNB mon banana yen. Bon, et Gorlo, toi, t'as battu ton nombre de records de jours passés en mer, hein, c'est ça? Exactement. Et sur Snake. En fait, c'était 9 jours avant et du coup là on a passé 12, 14, 14 jours. 13 jours en mer. Et ça fait un bout de temps quand même que t'avais pas fait de transat sur tout là. Ça fait 8 ans. Exactement. 8 ans, waouh. Bon, donc t'es content de ton bateau là que t'as construit quoi? Ouais, très content et on a encore pas mal de choses à fiabiliser mais la suite au prochain chantier. Et ouais, donc là direction Concarneau, on va rentrer le bateau et on va vous montrer dehors comment c'est. Et c'est pas joli. On est enfermé, bonnet. Ça fait à peine 48 heures qu'on commence à ressentir le froid, mais alors là c'est glacial. L'eau elle est verte comme la glace quoi. Vert bleu turquoise. Il y a de la neige fondue qui... Bon, à plus, ciao.